Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. Ok. Un peu déstabilisé là en ce moment. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous arrivez quand même à continuer à avancer, vous arrivez quand même, vous voyez, comme à ne pas baisser les bras. C'est pas évident, hein, mais vous tenez bon. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où on progresse, hein, on avance, hein, on voit nos vies changer, hein, mais pas forcément comme on le souhaite pour le moment. On sent ici que vous essayez comme de ne pas trop vous mettre la pression, d'entrer, allez, un peu dans le lâcher prise, parce que vous savez, sinon que les pensées et les émotions risquent de prendre le dessus. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, que vous vous attendez à un changement brutal, en fait. Vous vous attendez, vous voyez, à ce que votre vie change du tout au tout. C'est pas un petit changement par-ci, par-là, c'est je veux allez. Je veux du changement, mais à tous les étages, hein, c'est vraiment ça. On a vraiment cette impression que vous êtes comme sur un parcours, tu sais. On va regarder ça. Oui, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que c'est agaçant pour vous, en fait. Donc, tu as compris, hein, éventuellement, que la route. Qu'il fallait être bien accroché. Tu ne te fais pas d'illusions de toutes les façons. On sent que tu es une personne très réaliste. Tu es une personne qui a les pieds sur terre. Tu es une personne qui ne se laisse pas emporter. Mais c'est vrai que par moments, on aimerait, tu vois, comme recevoir un petit coup de pouce, une aide, un petit quelque chose, tu vois. J'aimerais avoir un coup de chance. Mais il n'y a pas de coup de chance pour moi. Il n'y a que de la sueur, il n'y a que des efforts. Il y a beaucoup d'obstacles. Et c'est vrai que par moments, tu vois, on se demande est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire plus simple, une façon d'avancer un peu plus vite, parce que là, plus vous avancez, plus vous réalisez que, ah ben, je ne savais pas que ce parcours-là, cette route-là, ce chemin-là, cette voie-là allait me demander autant d'énergie. Je pensais éventuellement, tu vois, ou peut-être que les choses se seraient manifestées beaucoup plus rapidement. Puis là, on réalise, ouais, que non, pas forcément. Alors, on ne va pas mentir, oui, on a de l'aide, oui, il y a éventuellement, tu sais, des personnes qui nous entourent, des personnes qui peuvent nous tendre la main. C'est vrai ici que pour certains, on ne s'attendait pas à ça. Donc, ça veut dire que vous aviez fait un choix récemment et un choix éventuellement qui vous demande d'être bien accroché. Vous vous êtes peut-être tout simplement retrouvé dans une situation qui aujourd'hui vous demande, vous voyez, comme de faire preuve de courage, preuve, vous voyez, comme. De maîtrise aussi, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a l'impression que ça dure depuis un petit moment. Hein. Ouais. On sent que vous êtes de plus en plus affirmé. On sent que vous voulez pas abandonner. Et je pense que c'est ce qui vous déstabilise le plus. C'est que moi, je n'ai aucune envie de baisser les bras. Je n'ai aucune envie, tu vois, comme d'abandonner. Je n'ai pas envie, tu sais, de devoir tout recommencer, me retrouver à la case départ. Non. On a l'impression que là où vous allez, vous voulez vraiment y être. On a l'impression que ce que vous voulez voir se manifester, vous voulez vraiment le voir manifester. C'est pas un caprice et c'est pour ça qu'on vous voit vous battre autant. C'est pour ça qu'on vous voit, vous voyez, comme autant prendre sur vous, hein, même quand tout va mal, même enfin, quand tout va mal, quand il y a des obstacles. Oui, peut-être quand vous êtes fatigué, quand vous êtes dans tous vos états, il n'y a rien à faire, vous y allez quand même. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, là, on a une période positive là, qui arrive. On a un événement, tu vois, un peu festif qui arrive vers nous et qui nous permet de réaliser éventuellement que, tu vois, tout ça, tu ne le fais pas pour rien. Tu vois que tout ce que tu es en train de mettre en place, éventuellement, ben, c'est pour que tu puisses. Arriver là où tu dois être, c'est sûr que c'est un parcours, un chemin, un cheminement, une route qui vous demande une grande maîtrise, hein, de vos émotions, énormément de courage aussi, hein. Il y a un petit quelque chose qui arrive sur ton chemin
histoire de te remonter un peu au niveau du moral, histoire que tu puisses remonter aussi au niveau des énergies. Parce que j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, le fait de ne pas forcément avoir de résultats tout de suite, c'est quelque chose qui peut énormément vous angoisser. Là, on sent pour certains que vous pouvez vous retrouver dans une situation, on va dire, ça peut être une relation amicale ou une relation sentimentale où on n'a pas plus dessus. Et j'ai vraiment cette impression que c'est une situation qui, j'ai pas l'habitude, tu sais, de me retrouver face à des personnes comme ça ou qui ont des agissements comme ça ou une façon un peu spéciale d'avancer. Et c'est vrai que ça peut être très déstabilisant pour vous. On voit que c'est une situation, vous voyez, où vous doutez énormément. Alors, est-ce que réellement on va rester amis? Est-ce que réellement, éventuellement, ben, cette relation va donner quelque chose? Oui. Pour certains, vous savez très bien que la relation, elle peut donner quelque chose. Par contre, c'est l'empressement. C'est vraiment le côté où j'ai envie d'avancer vite. C'est vraiment le côté où j'ai envie que ça se manifeste beaucoup plus rapidement. C'est pas une personne qui est dans votre vie depuis hier ou avant-hier, hein. On a l'impression que c'est une personne qui partage votre vie quand même déjà depuis un petit moment. C'est pas officiel. On ne vous voit pas forcément habiter ensemble, mais on sent que c'est une personne que vous pouvez fréquenter depuis longtemps. Pour certains, ce qui vous fait très peur, c'est vraiment le côté où c'est les enfants, est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les enfants, tu vois, vont bien le vivre? Vous ne laissez pas les choses au hasard, vous voulez avoir le contrôle, vous voyez, sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez. Vous allez quand même y arriver. Vous vous sentirez, j'ai envie de dire, un peu frustré à l'intérieur parce que vous n'aurez pas envie éventuellement que vos enfants se sentent mal à l'aise. On voit ici, vous voyez, que ce sera un peu de communication à y mettre, d'un côté comme de l'autre, hein, comme la personne qui est dans votre vie, comme effectivement l'enfant en question. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Pour moi, c'est plus, vous voyez, comme au niveau des enfants qu'il y aura un petit quelque chose à faire pour certains. Pour moi, la personne en face de vous peut être très ouverte, hein, d'accord, avec les enfants, pas forcément à l'aise, très ouverte. Mais c'est vrai que peut-être votre enfant, il aura un peu peur d'être abandonné. Il aura un peu peur, vous voyez, comme d'être mis de côté. Je dis ça parce que là, on a un petit garçon. Et c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui va énormément jouer sur votre morale, énormément vous déstabiliser. Parce que ben, peut-être que vous avez eu l'habitude d'avancer à deux, à deux, à deux. Et le fait de voir que d'autres personnes, en tout cas plus une autre personne, ben, arrive dans votre vie, ben, c'est un peu compliqué. Alors là, niveau un petit peu d'adaptation, il nous en faudra. Mais regarde. À la période du printemps, tu verras que ce sera une autre dynamique parce que tu t'es accroché. Pour moi, ce qui vous fait douter ici, pour certains, ce sont les enfants. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on sent éventuellement que on n'a pas envie que ça nous mette en porte-à-faux. On n'a pas envie de voir notre enfant s'éloigner. On n'a pas envie de voir, tu vois, comme ben, il part chez sa mère ou il part chez son père. Ça, c'est quelque chose qui vous fait énormément souffrir, énormément de mal, en fait. Rien que le fait d'y penser, ça vous met dans une situation complexe. On a une personne quand même très responsable, hein, cette personne que vous avez rencontrée, une personne qui saura faire la part des choses. Je ne me mélangerai pas forcément dans un premier temps, plus une personne qui sera dans l'observation. Mais ça sera quand même une personne d'un grand soutien. C'est vraiment ça. Donc on parle aussi, pour moi, de soutien que vous pouvez recevoir des personnes de votre famille, pour certains. Et c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui pourra vous faire chaud au cœur. Parce que, ben, écoute, on a une relation qui prend une tournure un peu différente à la période du printemps. Ça deviendra un peu plus officiel. Alors peut-être juste les présentations entre les deux. Ou tout simplement, vous voyez, un aménagement, parce qu'on a eu un engagement. Mais en tout cas, pour moi, c'est une relation qui avance plutôt bien, donc on n'a pas vraiment de soucis à se faire. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.